كشف وزير الطاقة مصطفى قيطوني خلال زيارته إلى ولاية باتنا بأن مصنع إنتاج التروبينات الكائن مقره بالمنطقة الصناعية لبلدية عين ياقوت والمنجز بالشراكة بين مؤسسة سون الغاز الجزائرية وجنرال إلكتريك الأمريكية وفقا لقاعدة 49-51. كشف بأن هذا المصنع الثالث عالميا والأكبر إفريقيا سيدخل مرحلة الإنتاج بين شهر ديسمبر من السنة الجاية لعام 2018 والنصف الأول من السنة القادمة 2019. نتابع. Le seul en Afrique et le premier en Afrique. D'accord. Dans le monde, il y a trois types de projets de ce type-là. Il y a un projet qui se trouve en France, à Belfort, c'est ça. D'accord. Il y a une usine aux États-Unis, à Greenville, et il y a l'usine de Batna. Donc, la commande de Sonelgaz, elle est de 8000 mégawatts. Pour d'abord une première tranche de 6 centrales, et vous faites ici le power complet, c'est-à-dire vous réalisez 60% d'une centrale. D'accord. Donc, vous savez que Oumash, c'est une centrale sur laquelle on compte, il faut qu'elle soit mise en service dans les temps, pour passer les pointes d'été. Ça veut dire qu'on considère que cette centrale, elle sera prête en 2019 ou en 2020. Quand est-ce que vous aurez les 1500 MW, les premières 1500 MW?